Parmi les étoiles et les planètes, nous nous dirigeons vers le système solaire, plutôt à son centre, notre luminaire. Nous le regardons depuis des télescopes, réparons activité solaire. Et tout serait comme habitude jusque-là, jusqu'au 6 février 2022. Le photographe argentin Eduardo Chaberger Pampo a pas un instantané une proéminence de la taille de Jupiter. Cette formation sur le Soleil s'est avérée être manifestation surnaturelle. Pour le prouver, j'ai effectué une restauration image, chaque étape la récupération sera démontrée. Du coup, on voit trois entités, la première tient en une poutre à main avec des croix sur le dessus qui sont connectées fil entre eux. Et derrière ils dirent un gros sac divisé en quatre sections ou plus, le premier est apparu un faisceau qui est à distance du reste barre ouvre la première section du sac, et le reste des barres tenues à la main ouvertes le reste du sac à son tour, où la première entité laisse tomber les démons en enfer. Restaurée est l'apparence de la deuxième entité qui tient le chapelet la tête légèrement inclinée et dit une prière. Et la troisième entité partiellement visible, on ne voit qu'une petite partie du visage. La tension est rivée et brûlante dans les silhouettes de feu, grand visage attire l'attention sortant du feu. Les yeux fermés et la bouche grande ouverte criant apparemment d'angoisse. Sur la gauche, une tête plus petite dépasse également du feu. Et le moindre de tous à droite a eu la chance de se lever et de saisir derrière le manteau et donc on le voit presque entièrement. À gauche de ce qui se passe, il y en a deux autres. La tête de l'un est jusqu'au cou en feu et le second agite ses bras s'élever au moins un peu au-dessus de ce feu. Le troisième événement se produit en haut, les démons dans un sac dont la vue provoque dégoût, long nez, cornes et sabots. La première section du sac est ouverte et même là, le démon a attrapé quelqu'un par la jambe pour qu'il tombe le premier dans le feu. Les objets les plus reconnaissables sur le fond du reste sont sélectionnés. Vérifions la photo originale et celle modifiée pour voir la justesse récupération image. Et considérez la même action à courte distance. Ce que vous voyez sur la photo sont des faits et des preuves manifestation des puissances célestes. Devant nous est apparu un lac de soufre décrit dans la Bible. Comme les esprits impurs sont jetés au feu. L'enfer est au soleil apparemment, c'est la dernière punition la plus terrible, où est le sort des pécheurs les plus terribles. Qui s'oppose à Dieu ?